Salut, c'est Luyanna, voyagez bien avec Terevau. Ciao, ciao. On a un planning assez spécial, on fait 5 fois par jour. On fait une croisière de 30 à 32 heures. Donc ça c'est la vitesse de croisière économique. Donc à peine. On a une capacité de 360 passagers avec en véhicule 12 places avec un peu de fret, 4 véhicules de fret. Ben, on est quand même le deuxième, troisième port français du point de vue du transport maritime de la Polynésie. On est à 1,7 million de passagers par an. C'est pas mal. Et par voyage, on est à moins une dans les. Ça varie, hein, c'est suivant les heures de pointe. Hein. On va dire dans les 180 personnes par voyage. Et par jour, on est entre 1600 et 1800 personnes. C'est peut-être par rapport à la population, peut-être que vous avez voyagé partout et disons que la population, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est différent. Mais la population, ça, il n'y a rien à voir par rapport à ce que tu vois ailleurs. Ici tu dis bonjour à tout le monde. Ailleurs, tu n'as pas intérêt peut-être de dire bonjour à tout le monde, ils vont te prendre pour toi le fou, alors que c'est eux les fous. C'est plutôt, ça s'appelle les Tukunas, ce sont les vieux, ils ont des enfants, enfin nos parents, ils ont reçu une certaine éducation que la société actuelle ne tient pas vraiment compte, c'est du matériel actuel. Il y a tendance à se baser sur le réalisme et puis il y a certains qui tiennent vraiment à leur culture et puis il y a les parents aussi là. À la recherche un petit peu peut-être de ce petit, on va dire, paradis hein, que certaines veulent découvrir petit à petit. C'est vrai que c'est loin de tout. C'est pas n'importe qui vient aussi ici. Peut-être, je vous ai dit, c'est le mana de la Polynésie qui attire ces gens. Okay.